points expliquant l'utilisation et l'utilité des cahiers de recherche en mathématiques et en physique-chimie. Un cahier de recherche est un support pédagogique où les élèves explorent des concepts et résolvent des problèmes de manière active et autonome. Il vise à renforcer la compréhension, la réflexion critique et les compétences pratiques au-delà du programme standard. Ce cahier encourage l'apprentissage actif en proposant des exercices variés, favorisant ainsi la créativité et la communication des solutions. Il contribue à développer la pensée analytique et la résolution de problèmes dans divers domaines d'apprentissage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, voici 10 points expliquant l'utilisation efficace des cahiers de recherche en mathématiques et en physique-chimie, ainsi que leur utilité pour les élèves. Point 1. Consolidation des concepts. Les cahiers de recherche permettent aux élèves de consolider les concepts appris en classe en mettant en pratique leurs connaissances à travers des exercices variés. Point 2. Application des compétences. Il offre l'opportunité aux élèves d'appliquer les compétences acquises dans les situations réelles, renforçant ainsi leur compréhension et leur confiance en leurs capacités. Point 3. Autonomie et réflexion. En résolvant des problèmes et des questions ouvertes, les élèves sont amenés à réfléchir de manière autonome, à développer des stratégies de résolution et à prendre des initiatives. Point 4. Préparation aux évaluations. Les cahiers de recherche servent de ressources d'entraînement pour les évaluations à venir, permettant aux élèves de se familiariser avec le format des questions et de se préparer de manière plus approfondie. Point 5. Exploration et approfondissement. Il offre la possibilité aux élèves d'explorer des sujets plus en profondeur, d'aller au-delà du programme standard et d'élargir leurs connaissances. Point 6. Développement de la pensée critique. Les exercices de recherche nécessitent souvent une réflexion approfondie, encourageant ainsi le développement de la pensée critique et de la résolution de problèmes complexes. Point 7. Communication des idées. Les cahiers permettent aux élèves d'exprimer leurs idées de manière écrite, de penser leurs raisonnements et leurs solutions de manière claire et organisée. Point 8. Renforcement des compétences transversales. La résolution d'exercices de recherche implique souvent des compétences transversales telles que la créativité, la persévérance et la collaboration qui sont utiles dans de nombreux domaines de la vie. Point 9. Suivi de la progression individuelle. Les enseignants peuvent utiliser les cahiers de recherche pour suivre la progression individuelle des élèves, identifier les lacunes et adapter leur enseignement en conséquence. Point 10. Favoriser l'intérêt pour les matières. En offrant des défis et des opportunités d'exploration,
Les cahiers de recherche peuvent stimuler l'intérêt des élèves pour les mathématiques et la physique-chimie en montrant la diversité et la richesse de ces domaines. En somme, les cahiers de recherche sont des outils pédagogiques précieux qui contribuent à approfondir la compréhension des élèves, à renforcer leurs compétences et à les engager de manière active dans leurs apprentissages en mathématiques et en physique-chimie. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la BACADEMY. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.